Fresa pour deux raisons. La première, pour rencontrer des acteurs engagés dans le tourisme durable et faire quelques articles pour mettre en valeur un petit peu ce qu'ils proposent et ce qu'ils font. Et la deuxième, pour présenter l'ouvrage que l'on vient de réaliser pour fêter nos 10 ans à voyageonsautrement.com, qui est 10 ans de tourisme durable et qui dresse un portrait, un arrêt sur image d'une, je dirais, une centaine d'articles que l'on a pu faire sur le portail, sur les 4000 qui sont en ligne actuellement. J'étais présent sur le salon pour participer au débat de la conférence sur la France est-elle une destination de tourisme durable. Donc un débat très intéressant et le message que je souhaitais faire passer, c'était de dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites en France avec des réglementations et un engagement des socioprofessionnels très avancé en termes de développement durable. Mais il reste également énormément de choses à faire, notamment en termes d'innovation.